English Lesson 7. Saturday, May 15th of 2021. The Family at the Restaurant, Part 2. Vocabulary. Family at the Restaurant. Exquisite. Dessert. Apple pie. Cakes. Homemade. Partner. Flavors. Vanilla. Chocolate. Mango. Coffee. Raspberry. Strawberry. Sounds good. Scoop. Newspaper scoop. C'est un scoop dans un journal. Scoop of ice cream. Une boule de glace. Ristretto coffee. Alors, c'est un café serré et ça vient du mot italien ristretto. Mais en anglais, on va dire ristretto coffee. Coffee with cream. C'est un café crème. Alors, en France, un café crème, c'est fait plutôt pas avec de la crème, mais avec du lait qu'on fait mousser et qu'on met par-dessus le café. Aux États-Unis, ou même en Angleterre, on va mettre vraiment de la crème et on va prendre un petit pot de crème tout petit et qu'on vient ajouter dans son café en général, ok, mais bon, voilà, c'est les habitudes américaines. I will be right back. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur une devanture de magasin quand quelqu'un s'en va de sa boutique et il dit I will be right back, I will be back in 5 minutes. C'est quelqu'un qui part et qui revient de suite ou qui revient dans 5 minutes. Et quand un serveur, par exemple, va vous chercher quelque chose que vous avez demandé, il vous précise « I will be right back ». Awesome. Ça, c'est vraiment un mot très américain pour dire « c'est génial ». Mais souvent, c'est exagéré. Ça veut dire que les gens vont mettre du « awesome » tout le temps, à toutes les sauces, pour n'importe quoi. Ok. Mais bon, là, dans le dialogue, on va essayer d'être vrai et de dire que tel aliment que vous avez commandé et mangé est excellent. C'était très très bon, c'était génial. The bill, the check. C'est les deux manières de parler de l'addition. Bank card, credit card. Alors, en France, on va parler de carte bancaire et la carte de crédit, c'est vraiment pour payer à crédit. Et il y a peu de gens en général qui payent à crédit. Aux États-Unis, les gens ont plus a credit card qu'une carte bancaire. Parce qu'ils payent tout à crédit, en fait, quasiment. OK? Tip. Tips. Alors là, ça a deux sens. Can I give you a tip? C'est est-ce que je peux vous donner un conseil? Mais ça peut vouloir dire aussi here is your tip. Voici votre pourboire. OK? To give a tip, or to give tips, hein, c'est donner des pourboires en général. Dialogue. At the restaurant. How did it go? Did you enjoy the food? Very well, thanks. The fish was exquisite, very fresh. Would you like some dessert? Maybe. What do you propose? We have apple pie, brownies, fresh fruits, ice cream. Are the cakes and the ice cream homemade? Yes, the apple pie, the brownies are homemade.
The ice cream is homemade, but we buy it from a partner. Là, ça veut dire que la glace est faite maison, artisanale, mais c'est pas le restaurant qui le fait, mais c'est un partenaire, donc un fournisseur, quelqu'un de la famille peut-être, etc. What flavors do you have? Là, on parle de la glace dont on vient de parler juste avant. What flavors do you have? Vanilla, raspberry, mango, coffee and chocolate. Chocolate. Là, on a un O qui est muet, ok? Et la fin de chocolate se dit assez rapidement. On insiste surtout sur le début. Chocolate. Sounds good. Alors ça veut dire vraiment ça sonne bien aux oreilles, ça. Et en français, on va plutôt dire ça donne envie. Hein, quand on te parle de choses qui sont faites maison, artisanalement, etc., avec des parfums qui te plaisent peut-être, eh ben, tu peux dire sounds good. Ou alors tu peux dire seems delicious. Okay? Ça paraît délicieux. Seems delicious. We will take one apple pie, one brownie. Two raspberry ice cream. Is it possible to have a scoop of vanilla ice cream with the apple pie? Donc là, c'est pour demander d'avoir une boule de glace à la vanille avec la tarte aux pommes. Donc en général, quand tu prends une tarte aux pommes chaude, les gens aiment bien avoir une petite boule de glace vanille qui fait un petit peu le contraste entre la tarte aux pommes chaude et la glace qui va être froide, bien sûr. Of course, will you take coffee or tea? Yes, please, one ristretto coffee and a coffee with cream. I will be right back. The desserts were really awesome. Donc ça, c'est quand vous avez fini de manger les desserts, tu leur réponds, les desserts, the desserts were really awesome. Donc ils étaient vraiment très bons, délicieux, super. Can you bring the bill, please? On peut dire aussi, can you bring the check, please? Here you are. Donc il te le tend et il te dit, le voici. Can we pay with bank card? You sure can. Ou alors on peut dire, yes, you can. Mais ça, c'est une manière très américaine de répondre. You sure can. Bien sûr, vous pouvez le faire, ok? Et le garçon ensuite, quand vous lui mettez des pourboires, il va dire, thanks for the tips. Thanks for the tips. Merci pour les pourboires, le pourboire. Hope to see you again very soon. End of lesson 7. See you Saturday next week.